Amis Dabavu, c'est un plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année 2023. J'espère que vous allez bien, vos familles ainsi que vos activités. Vous savez, il y a des petits éléments qui défraient la chronique dans TikTok et c'est pas bien. Et je vous mets toujours en garde en vous disant toujours, pour ceux qui veulent faire des mandats, qui veulent travailler avec Leroy Merch 237 officiel ou vrai, il faut toujours faire des appels vidéo, même quand vous voulez faire des mandats. C'est très important. Pour commencer, suivez cette vidéo, je vous reviens après. Je fais cette vidéo pour vous mettre en garde. Donc, j'ai une jeune dame qui vient de me contacter, elle était en panique. Il y a un jeune homme en ligne qui s'appelle le roi mage, qui prend des astuces spirituelles en ligne. Et il met donc sur sa page, et la dame l'a contacté. En l'espace de quelques jours, il lui a pris 1 000 $, 700 $ en une fois, et puis 300 $ d'une autre fois. Il lui promet, voilà, en 2-3 jours, je vais te donner l'homme que tu veux. Je vais te donner les... Vous savez ce que vous demandez aux gens quand vous partez. On vous dit de vous laver au sel, vous ne vous lavez pas. Lavez-vous avec les urines, vous ne vous lavez pas. Vous voulez partir pour qu'on vous dise que donne-moi 1 500 $, je vais faire ceci en 2 jours. Donc ce qu'il fait, c'est quoi? Quand elle envoie l'argent, il demande sa photo nue. Il dit qu'il va travailler avec sa photo nue. Elle envoie la photo. Après, il dit, bon, donne-moi le contact de 2-3 hommes que tu veux séduire. Elle envoie les contacts, elle envoie les profils TikTok. Elle envoie le numéro WhatsApp. Il prend donc les numéros. Quand elle envoie l'argent, 2-3 jours, elle n'a plus de ses nouvelles. Elle le contacte, c'est comment? N'est pas le voilà qui commence à dire que j'ai les captures d'écran de ce que tu m'as demandé de faire pour toi. J'ai les contacts des hommes que tu veux séduire. Donc j'ai tes proches. Tu t'amuses, je balance tes photos sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, je les contacte pour dire ce que toi tu as voulu faire sur eux. Donc soyez très 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 prudents, s'il vous plaît. Cette dame m'a contacté avant. Comme moi, je lui ai dit que mon travail allait prendre du temps, elle ne voulait pas attendre 2, 3, 4 mois. Et c'est pour ça qu'elle est partie sur le monsieur. Donc faites attention. Donc je vous préviens encore, s'il vous plaît. Faites attention. Les gens, écoutez, premier indice, quand la personne t'écrit en inbox, quelqu'un qui est spirituel, qui est envoyé de Dieu, ne va pas te contacter. Il ne va pas te poursuivre. Donc faites attention. Faites attention. Deuxième chose, il va vous promettre des choses le même jour. Je vais te donner tout ça. Tout ce que tu veux, il dit oui. Il dit oui, il dit oui. Ça doit te mettre la puce à l'oreille. Donc faites attention. Vous avez suivi dans la vidéo, elle dit, la dame a donné une somme de 1 000 quelque chose d'euros et s'est fait arnaquer par le roi mage. C'est qu'elle dit, la dame. La dame, je crois, elle s'appelle, on l'a tagué, c'est Reine Lumière. Ma chère Reine Lumière, tu dis que tu es une professionnelle spirituelle. Quand on est professionnel spirituel, ça veut dire qu'on a les éléments. Ok, que ce soit sur le plan mystique, que ce soit sur le plan magique, pour savoir quand quelqu'un dit la vérité ou pas. Cette dame a été arnaquée certainement, si ton histoire tient le bout. Mais c'est une chose sûre, c'est pas par le roi mage 237 officiel ou vrai, qui est moi qui te fais cette vidéo, qui fait cette vidéo en mon jeu vision à l'heure actuelle. Pourquoi? Dans l'entente de tes propos ici dans la vidéo, comme tout le monde a bien pu le constater, autant pour moi, elle mentionne qu'on lui a demandé de faire une vidéo qui on va dire qui expose sa nudité, qui expose on va dire comme ça sa dignité. Jamais en aucun cas le roi mage n'a demandé à une dame. Et les milliers d'abord, je crois on a 34 000 abonnés, voilà, et on peut pas, quelqu'un ne peut pas mentir 34 000 âmes ou 34 000 consciences, c'est impossible. C'est possible. Parce que parmi ces 34 000 personnes, il y a des ingénieurs, il y a des docteurs, il y a des maîtres spirituels qui me suivent, il y a des avocats qui me suivent, il y a des personnels, il y a ceux qui ont fait des études, il y a des personnes de tout bord. Et tous, beaucoup ont des QI élevés, d'autres même ont des maïs très élevés. Mais qui suivent Roi Mage 237 officiel que je suis. Alors, si les commentaires sont ouverts, si j'étais quelqu'un qui demandait ce genre de choses à des femmes, forcément dans les réseaux sociaux, une dame aurait fait une capture d'écran avec mon visage, avec des conversations téléphoniques ou radiophoniques, elle aurait balancé. Ceci pour dire quoi? Jeune sœur, quand tu veux dire quelque chose, en tant que professionnel spirituel, prends la peine de mener d'abord une investigation vraie. Ça veut dire que toi, en tant que spirituel, tu fais d'abord une divination approfondie, parce que tu dis à la base, c'était une de tes patientes, ok, qui n'a pas accepté que tu lui dises de patienter autant de semaines, ou encore quelques semaines, autant pour moi,
pour avoir un résultat prompt. Alors elle allait voir ce pseudo roi mage. Ceux qui me connaissent, qui m'ont abordé pour ce sujet, je n'ai jamais demandé à une femme les vidéos. D'abord parce que ça sert à rien. La photo même, il est très difficile. Pourquoi? Parce que la photo est un faux témoin. Quand moi je veux faire un travail pour de vrai, pour ceux qui m'ont contacté, on demande au nom, prénom, date de naissance. Parce que c'est dans son nom ou prénom ou date de naissance qu'il y a des valeurs numériques. Et beaucoup là pourront témoigner, pourront faire des vidéos. Ils vont vous certifier. Voilà ceux qui vont suivre ces vidéos. Ils vont vous dire, jamais je n'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer une vidéo nue ou une dame. J'ai pas ce temps. D'abord, c'est impossible. C'est pas mon mode opératoire. Sauf que c'est pas déjà d'abord moi qui fais ce type de vidéo. D'abord. Et d'abord, je n'appelle jamais les clients. Je crois dans ton mental, tu as dit là qu'il a appelé, vers la fin, tu dis qu'il a appelé. Je n'appelle pas les clients. Moi, je suis presque injoignable, ma chère. Pour m'avoir au téléphone, c'est la magie. Demain, à ceux qui me connaissent, les gens font 2, 3, 4, 5 jours, 7 jours pour m'avoir au téléphone. Et c'était quelques privilégiés. C'est avec nous aussi, c'est un lien. Parfois, même beaucoup de personnes veulent m'avoir au téléphone, ça bloque la ligne. Ma chère, je n'ai pas le temps pour écrire les gens. Je n'ai pas le temps. Donc, tu aurais dû en fait faire une vraie investigation d'abord spirituelle pour savoir si c'est la véritable identité, donc du vrai romage. Si c'est lui qu'il s'agit, ou on a usurpé son identité. Première des choses. Deuxième des choses, tu aurais dû faire une synthèse. Ça veut dire que dans ta vidéo que tu as publiée, tu veux monter des éléments de preuve. La personne peut avoir mon profil. Ok? Comme tout à l'heure là, vous allez voir dans votre petit écran, ça viendra là bientôt. Il y a beaucoup de faux romages. Beaucoup. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Et je dis encore ceci. Mes abonnés. Et ceux qui sont passés par d'autres abonnés pour devenir mes abonnés, j'ai dit, je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur Facebook. Ok? J'avais commencé un temps sur Facebook et puis je me suis arrêté. J'ai peut-être fait à peine 3 vidéos. Ok? Je suis sur YouTube. Sur YouTube. Et je réponds au 237 695 27 26 70. Donc maintenant, tu demandes à cette dame si c'est le même numéro qui le lui a contacté. Ok, parce que si ça peut avoir le même visage, on peut prendre la photo de quelqu'un, screenshot et puis on voit. Tu demandes si c'est le même numéro qui te dit cette vérité-là. Monsieur, je suis sûr, ça ne sera pas ça. Donc je t'invite là à aller faire un démenti. Ok, parce que c'est une réputation et ce n'est pas bon quand on salue la réputation de quelqu'un. En tant que personnel spirituel, on ne parle pas dans le goût de l'émotion. Tu as beaucoup trop parlé, jeune sœur. Et trop vite. Et tu allais beaucoup en besogne. Pourtant, tu aurais pu prendre le temps. Tu aurais même pu être plus maligne. C'est-à-dire, s'il s'avère que c'est moi le roi mage, tu aurais fait quoi? Si c'était moi à la place, je serais passé. Tu aurais pu, toi, en tant que femme, parce que tu es une femme, tu pourrais passer par toi-même pour jouer le rôle d'une cliente, on va dire comme ça, voir comment la personne résonne. S'il va te demander les mêmes choses, ou même faire passer même 2 ou 3 ou 4 ou 5 filles. Puisque tu as tes abonnés, pour savoir si c'est la moralité de cette personne qui est vraie. Et tu devrais savoir si tu arrives à constater que c'est moi le vrai, que ce n'est jamais ma ligne éditoriale, ce n'est pas ma façon de procéder, je ne procède pas comme ça. Donc, tu vois que tu as fait gaffe. Donc, je t'invite à aller faire une vidéo pour ton démenti, parce que si tu ne le fais pas, moi je vais t'inciter à comparaître devant les tribunaux. Et sans te mentir, j'espère que tu as les pieds sur terre dans ce Cameroun, j'espère que tu as de très bons avocats parce qu'on va courir. On va courir. Donc, j'espère. Donc, si tu es sage, va laver toi-même ce que tu as fait. Voilà. Maintenant, les photos que vous allez voir ici sont les photos des faux rois mages. Pour que vous soyez attentifs. Voilà. Et vous pouvez maintenant regarder la datation de leurs vidéos où ils ont commencé à s'appeler roi mage. Et vous regardez les miennes. Vous voyez que d'abord, quand je suis entré dans les réseaux sociaux, il n'y avait aucun roi mage.
Et il faut savoir une chose, je vous le dis encore une fois pour tous. Vous qui vous appelez Wamaj, on ne prend pas un nom pour prendre. Les noms spirituels authentiques, ça se donne par un rite. Il y a un rite pour avoir un nom spirituel. On le mérite. Vous êtes en train de vous ajouter des écharpes. Vous êtes en train d'alourdir vos charges karmiques. Je sais que vous avez faim. Je sais que la vie est dure. Mais vous gagnerez plus en allant vous former pour de vrai, en vous faisant un véritable rite initiatique afin qu'on vous donne vos propres identités spirituelles que d'usurper l'identité d'autres personnes. C'est ce que j'avais à dire. Donc, mes abonnés, portez-vous bien. Que la lumière soit. Ok, je reviens bientôt avec les prochaines vidéos. Je vous aime très fort. C'est la fée qui gagne. Promage du plus de 237. Aide.